Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo skincare. Mon goal de 2023 c'est vraiment d'avoir la peau la plus clean et la plus lisse et la plus lumineuse de toute la terre. Est-ce qu'on fait partie de la même team? Est-ce qu'on fait partie du même club? Du club de 2023 on va avoir une peau de malade. On est d'accord. Je viens d'arriver du bureau et mon make-up est pas aussi pepsi que ce matin. Il est à peu près 20h. Je quitte le bureau environ vers 17h30, 18h. Sauf que je finis toujours par bosser chez moi et finir mes mails et finir tous les trucs que j'ai à faire. Donc j'arrête officiellement de bosser vers peut-être 21h. Bref, là n'est pas le sujet. En ce moment, je regarde toutes les vidéos de skincare du monde. Là, je suis obsédée avec la skincare. Sauf que ma peau en ce moment, bon, ça va, je me plains pas du tout. On est passé par des périodes beaucoup plus hard. Je me souviens quand j'avais grave de l'acné. Heureusement, cette période est passée. Mais là, vu que je crois que je vais avoir mes règles, et ben, j'ai plein de petits spots qui commencent à arriver. Il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo. C'est vraiment des marques que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'aime énormément. Là, je vais aller me doucher. Je vais enlever ce joli pull, très mignon d'ailleurs, il vient de chez Anbing, il est tout doux. Et mes boucles trop belles, ce sont les Chunky Marquise de Maison Dorée. Bon, comme vous voyez, pour le bureau, je porte pas énormément de make-up. J'ai changé ma routine sourcil, il faut que je vous montre la nouvelle. Je mets un petit peu de mascara, du crayon, comme une crème teintée avec SPF. Quand je suis à Marseille, vu qu'il y a du soleil, j'essaie de pas prendre trop le soleil, donc je mets plutôt du SPF maintenant. On prend soin de sa peau, les amis, 2023. Peau de ouf. Je mets un peu de bronzer, du blush et de l'highlight. Je me maquille pas trop, mais c'est que le résultat est assez naturel. Un peu un no make-up make-up. Il faudrait que je vous fasse d'ailleurs une vidéo de no make-up make-up. Voilà, j'arrive même plus à parler. Sous la douche, vous voyez, j'en ai presque plus et le pot est tout mat à cause d'avoir pris l'eau. Ça, c'est le Simply Clean Gel de SkinCeuticals. Soit j'utilise lui et quand je suis chez mon copain à Paris, j'en mets un autre. Et le Cleanance, le gel de Aven, il est génialissime et je l'ai depuis que j'ai 13 ans, je crois. Vraiment, il est trop trop bien. À chaque fois, je le rachète en format familial, genre vraiment le gros pack. Bref, je file, je vais me démaquiller et je reviens. Les gars, vous m'auriez demandé de me mettre sans make-up il y a 3 ans devant une caméra. Je n'aurais jamais osé. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous me suiviez à l'époque. Oh, mais j'avais des boutons, j'avais de l'acné, genre tout là. Je vais mettre une photo, c'était chaud. J'ai lavé ma peau deux fois, donc j'ai mis deux fois le petit gel moussant pour qu'elle soit bien bien clean et qu'il reste absolument plus aucune miette de fond de teint. La seconde étape de ma skincare après m'être nettoyé la peau, c'est d'appliquer cette petite lotion. D'ailleurs, j'en ai plus, il aurait genre qu'un petit fond. J'ai tout utilisé, c'est la Blemish Age plus Toner de SkinCeuticals. Exfolie et affine le grain de peau. Aussi, je crois que ça sèche un petit peu ma peau, mais au moins ça exfolie et ça enlève tous les petits points noirs. Donc je frotte bien sur les contours et sur les ailes de mon nez pour éradiquer ces points noirs. J'en ai là aussi. Et en ce moment sur les réseaux, je vois partout, mais genre partout, 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 le truc de Paula's Choice. Et il y a certaines filles qui vont le recommander aussi. Je sais pas si c'est bien, du coup j'ai jamais testé. C'est comme une poudre exfoliante, je crois. Je sais que chez Oh My Cream, ils en font une petite poudre exfoliante comme ça. Mais j'ai jamais testé celle de Paula's Choice. Donc si vous avez testé, dites-moi. Apparemment, c'est super bien contre les boutons, contre les points noirs. Ça exfolie de ouf et ça fait une peau très. Comment dire, comme ça, genre très tendue, mais dans le bon sens du terme, genre éclatante et lisse. Les gars, est-ce qu'on est d'accord quand il y a plusieurs étapes dans une skincare, on est un peu perdu, non, sur l'ordre de la skincare? Je sais pas trop dans quel ordre appliquer les trucs. En fait, je vous explique, j'ai des gouttes bronzantes que je dois appliquer avec la crème hydratante, donc ça on a compris, mais le sérum éclat anti-tache, je le mets genre avant ou après? Appliquer matin et soir sur le visage coué décolleté avant votre crème. Ok, on a l'info. Mais peut-être que ça et ça, ça va pas ensemble. Qu'est-ce que je fais d'habitude? Je crois que je mets ça avant. Donc c'est le sérum éclat anti-tache de Caudalie. J'aime énormément Caudalie. J'ai aussi la crème riche dans le pot violet, là elle est trop trop bien. Et je l'applique le soir aussi en général, ça dépend de ma petite routine. Donc le sérum, j'en mets bien sur tout mon visage et le cou. Ensuite, je prends Hydréane Riche de La Roche-Posay. Ça, c'est ma crème du moment. J'ai dû utiliser genre 6 pots. Je sais pas s'il m'en reste dans celui-là. Parce qu'on sait très bien qu'il en reste là-dedans. Mais vu que ce soir, je vais pas avoir le temps d'aller chercher et de me racheter un tube de crème. Tac. Il faut le couper. De là où c'est fermé, là. Tac. Et en fait, il y en a plein. C'est ma maman qui m'avait montré ça. Icône. Donc je prends à peu près ça de crème hydratante. Et ensuite je prends mes deux petites gouttes de Isles of Paradise. Elles font un effet bronzant. C'est un auto-bronzant en fait. Je mélange bien tout ça. Petite potion magique. Et je l'applique sur
tout mon visage. Je le fais peut-être 2 fois par semaine, ça suffit, faut pas le faire tous les soirs non plus, sinon ça fait trop orange et genre vraiment direct et orange. Je le mets aussi bien dans le cou et le décolleté pour pas avoir une démarcation trop importante. Et après il faut se récurer les mains, vraiment se les laver de ouf, parce que ça m'a déjà fait des taches d'autour de mon gland, donc je vais me laver les mains, j'arrive. Du coup, si j'avais pas fait les gouttes auto-bronzantes, j'aurais mis peut-être un peu d'huile titrée très localement sur mes boutons, là où j'ai des petites imperfections, pour sécher tout ça. Ensuite j'applique un petit contour des yeux. Il s'agit du soin concentré regard revitalisant de My Blend. Avant j'appliquais pas de contour des yeux, mais maintenant je me suis aperçue j'avais des petites rides là. Ça me dérange absolument pas de vieillir, au contraire je trouve ça beau. Mais maintenant je remarque quand même que je vieillis. Avant je réalisais pas, tu vois, genre j'avais 22 ans, j'étais là toute pimpante, toute fraîche. Maintenant bah, j'ai 26 et mon corps, ben, il vieillit. En fait le contour des yeux pour moi c'est vraiment ici que je trouve que j'ai des petites ridules. Vous savez quand je souris comme ça. Par contre là j'ai pas du tout une glazed donut skin. Du coup je me demande quelle crème fait cet effet un peu imbibé. Vous savez, une peau genre vraiment... hydraté, genre mouillé. Moi mes crèmes elles font effet mat, ça fait pas un effet skincare glowy Pinterest. Et dernière étape de ma skincare, c'est le Revitalash. J'ai repris ma cure il y a environ 2 semaines et là mes cils commencent à repousser. Je le faisais vraiment assidûment à l'époque, je le faisais je pense 2 fois par an. J'applique ça à la racine de mes cils tous les soirs pendant 1 mois et le résultat est dingo, ça fait vraiment repousser mes cils de ouf. Trop trop bien. Je reviens sur le sujet de l'acné dont je parlais tout à l'heure. À l'époque, je me sentais tellement mal. J'ai l'impression que c'était un cercle vicieux et j'étais de moins en moins bien. Plus j'avais de boutons, plus j'étais mal. Plus j'étais mal, plus j'avais de boutons. Donc au final, c'est un cercle qui ne s'arrêtait jamais. Parce qu'en fait, moi quand je suis mal, quand les choses se passent mal dans ma vie, et ben ça se retranscrit de ouf sur ma peau. Et ça, je comprenais pas trop au début. Tu sais, quand t'es jeune, tu découvres un peu ton corps, tu découvres comment ton corps réagit, comment ton esprit réagit aux choses. Et à l'époque, ça se passait ultra mal avec mon chéri. Et moi, mon esprit me disait, mais non, tout est tranquille, tout va bien, ça va, au pire, tu le quittes, t'as 19, 20 ans, tout va bien. Et au final, intérieurement, je devais être trop trop mal, et c'est ressorti sur ma peau, et tout est ressorti sur ma peau. Et tu sais, quand t'es dans cette situation où genre t'es vraiment très mal, et que les autres te disent, mais non, ça va, peut-être te maquille un peu moins, peut-être lave un peu mieux ta peau. Pardon, mais comment vous expliquer que mon acné n'est pas dû à la tonne de make-up et de fond de teint que je me mets justement pour couvrir cette acné? Je pense vraiment pas que le maquillage et l'acné soient liés. Enfin, l'acné sévère, je veux dire, c'est pas du tout lié au maquillage, c'est vraiment lié aux hormones. Tu peux avoir une maladie de peau et c'est pour ça qu'il y a des traitements beaucoup plus forts. C'est pas lié au make-up, c'est pas lié à forcément ce que tu manges, c'est vraiment des problèmes internes dans toi. C'est à l'intérieur de toi que ça va mal. Et à cette époque, j'étais mais tellement au bout de ma vie et je le cachais de ouf sur les réseaux. Enfin, après c'était l'époque des filtres donc c'était pas pareil, mais il y avait la possibilité aussi, tu vois, de cacher, de retoucher tes photos, de mettre des filtres, et j'en abusais de ouf alors que j'aurais dû être plus ouverte. Mais avec le recul, tu vois, c'est facile de dire ça. Moi à l'époque, de m'afficher genre visage découvert avec plein de boutons sans make-up, j'aurais jamais osé. Donc si actuellement il y a des filles qui ont de l'acné et qui regardent mes vidéos, je vous comprends à 100 000%. Je suis de tout cœur avec vous et le seul message que je peux vous donner, c'est qu'il y a de l'espoir. Regardez, ça peut s'arranger, je vous assure les gars, ça va aller. Il faut vraiment que vous trouviez le bon traitement qui correspond à votre corps. Que ce soit une pilule particulière, que ce soit Roaccutane, des petites pilules comme ça, des compléments alimentaires, il y a certainement le bon traitement, la bonne dermato à trouver et je suis sûre que vous allez y arriver. Moi j'avais fait tous les sites internet de la Terre pour trouver des médicaments et des pilules particulières à prendre. C'est avéré être le plus efficace pour moi, c'était de reprendre ma pilule Diane 35. Donc j'étais allée voir ma dermato, elle m'avait remis sous pilule parce qu'elle m'avait dit en fait on laisse passer l'été, si à la rentrée on voit que c'est catastrophique, on fait Roaccutane. Donc pour faire Roaccutane, j'étais obligée d'être sous pilule. Donc tu reprends la pilule et en septembre on fera Roaccutane parce qu'on peut pas faire Roaccutane l'été. Donc elle m'avait remis sous pilule et finalement sous pilule j'avais tout reperdu et toute mon acné était partie. Au final j'ai un peu l'impression que la pilule c'est un cache-misère, genre si j'arrête demain bah tout va revenir. J'espère pas. Bon, en même temps, je comparais de la pilule demain, donc pas de problème. Mais le message d'espoir est là, vous allez trouver votre sauveur, la personne qui va pouvoir vous donner et vous traiter de la bonne façon. Moi, je peux vous donner tous mes conseils perso. Je les ai toujours, il me semble, dans mes story highlights. Je crois que ça s'appelle skincare sur Instagram, donc n'hésitez pas à les checker. Mais vous allez vous en sortir, je crois en vous. Et si vous avez des mauvais commentaires ou des gens qui vous regardent mal,
Je sais que c'est une période affreuse où t'as plus envie de sortir de chez toi, tu pleures tous les jours parce que tu peux rien faire et que t'as juste envie de t'arracher les joues. Mais ça va passer. Et que vous allez pouvoir être des personnes épanouies et toutes jolies, encore plus jolies que ce que vous êtes actuellement, une fois que ça se sera passé. Et donc aujourd'hui, je suis très contente de m'afficher sans filtre. Même si j'ai quelques imperfections, je sais que je suis passée par bien pire. Mais je suis contente aujourd'hui qu'on puisse s'identifier à des personnes qui ont une peau, bah pas forcément comme Madame Hailey Bieber, qui a une peau de ouf et qui a genre zéro pore dans la peau, je sais pas comment elle fait. Vraiment c'est mon but d'avoir une peau comme ça, je crache pas du tout sur Hailey, mais j'adorerais avoir sa peau. Mais j'ai du mal à m'identifier, elle a une peau de ouf, genre elle c'est mon inspiration, c'est mon but. Moi je m'identifie pas à une fille comme ça. Donc je vous montre ma peau au naturel, sans filtre, même dans mes stories etc, j'essaie au minimum d'utiliser des frites pour réaliser aussi qu'il n'y a pas que des peaux de ouf sur terre et que bah on a toutes des breakouts, on a toutes des points noirs, des boutons, des trucs qui nous font chier sur la peau au moins une fois par mois. C'est surtout très important pour avoir une belle peau puisque c'est bien de la traiter de l'extérieur mais aussi il faut la traiter de l'intérieur, c'est-à-dire l'hydrater de l'intérieur. La quantité moyenne d'eau contenue dans un organisme adulte est de 65%, c'est un truc de ouf. Donc pour avoir une belle peau et nourrir notre corps de l'intérieur, il faut boire de l'eau. J'avais une semaine où j'avais bu 2 litres d'eau par jour. J'avais pas remarqué une grande différence parce que je l'avais fait que sur une semaine. Mais il faudrait que je le fasse sur plus longtemps. Mais 2 litres c'est chaud quand même, c'est beaucoup. Donc je pense que je vais peut-être réduire genre à 1,5. Ce sera bien. Les amis, check, faisons-le ensemble. 1,5 litres d'eau par jour. On commence ce soir et dans un mois, on regarde les effets sur notre peau. Deal. J'attends vos stories sur les 1,5 litre d'eau par jour. Deal, on est d'accord. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo skincare. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura remotivé si vous étiez un peu down par rapport à votre peau en ce moment. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.